Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Lorena TV, c'est Olive. Aujourd'hui, on part à Villiers-les-Nancy pour une soirée karaoké. Les personnes interrogées dans cette vidéo sont des clients. Le tournage a eu lieu le 23 mars. Si vous aussi vous avez la passion du chant, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires la prochaine soirée du Melting Pot, ça sera sur Mickey Mouse et les autres Disney. Et ça aura lieu le 6 avril. Bonsoir, je suis Elisabeth. Enchantée. Je suis une habituée
Nous venons souvent au bar karaoké parce que nous aimons chanter et passer une soirée entre amis pour justement avoir un peu de convivialité et de pouvoir un petit peu s'éclater dans un univers, je veux dire, très amical et super accueillant. La diversité des clients est très importante et nous avons beaucoup de chanteurs différents. Les voix sont hyper importantes et avec ça, nous avons un super amusement. Franchement, c'est vraiment sympa, quoi. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Comment s'est passée votre soirée? Très belle soirée, avec une clientèle super sympa, un groupe derrière le bar qui nous accueille à chaque fois très très bien. Et je viens ici par rapport aux Étoiles d'Orient, il faut les présenter quand même. C'est des gens qui en fait nous permettent de passer vraiment des bons moments à chaque fois en karaoké. C'est vraiment génial. C'est des amis avant tout et on s'éclate, c'est le principal. C'est important pour vous de décompresser le week-end? Très très important. Très très important parce qu'on a tous des métiers différents et qui nous prennent du temps et qui nous prennent beaucoup. Et on a besoin de venir ici pour justement se faire plaisir en fait. Est-ce que vous trouvez que le karaoké c'est démodé? Non, aucunement. J'ai commencé, je vais raconter ma petite histoire, mais j'ai commencé par faire des karaokés avec mon frère qui a tenu un bar pendant 12 ans. Et qui lui avait son propre bar avec karaoké. Et pour moi, le karaoké, c'est la vie en fait, ça permet de décompresser. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui n'ose pas venir ou chanter en karaoké? Je lui dirais, vas-y, fais. Merci.